Je l'ai rencontré, Marc, personnellement. Elle m'a dit cette parole qui m'a beaucoup frappé. Cette première parole m'a dit « il faut souffler sur le feu ». Et je m'aperçois que c'est ce que je vis depuis le début, depuis 43 ans, je souffle sur le feu. Et c'était un peu le thème tout à l'heure de notre échange. Et puis d'autre part, elle m'a dit une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'elle m'a dit « vous y passerez aussi ». Alors je lui ai un peu peur, je lui ai dit « qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais souffrir beaucoup ?» Mais non, je crois qu'elle voulait dire que, parce que je ne souffre pas tellement, que je, comme elle, je pense je découvre un peu plus la bonté et l'amour de Dieu. C'est que on peut être complètement paralysé sur son lit et évangélisé. Elle donne le témoignage d'une évangélisatrice sans précédent, elle est extraordinaire pour ça. Donc, quel que soit notre état physique, quelle que soit notre santé, quelle que soit notre possibilité de nous déplacer, on peut toujours, là où on est, témoigner de Jésus-Christ.